Bah, ce soir, on part sur du R6, ça va être fantastique, ça va être super, ça va être génial. Et en mairie, ça va tranquille, ça va très bien, Billy. Je me sens un peu différent. Je suis super chelou ce soir. J'adorerais faire un concours de beauté. Hein. Ouais, c'est en train de partir en vrille là-dedans. Ça chauffe, ça carbure. Il y a des voix qui résonnent. Je te le cache pas, c'est tendu. Mais là, je sens que je suis chauffé, mec. Je sais pas à quoi, mais j'ai. All right, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? Je me sens ouais, énergétiquement, ça va. ça va, c'est bien. C'est respectable. Franchement, c'est respectable. Alors oui, vous pouvez le voir. Je suis passé à la G36 et j'emmerde tous ceux qui vont faire. Je m'en fous, la R4C n'a pas d'ACOG. Hein. Alors, point d'exclamation G36. Déjà, vous aurez l'explication pourquoi je jouais à la G36. Quoique ces derniers temps, je jouais vraiment à la R4C. Pourquoi je jouais à la G36 avant. Hein. Et maintenant, on va le remettre à jour. Ça, je penserai à le faire. On va le remettre à jour et je vais vous expliquer pourquoi je joue à la G36 maintenant. Et c'est très logique en fait. C'est parce qu'elle a un ACOG. Oui, mais la R4C avec l'holographique, ça reste quand même beaucoup plus puissant que la G36 sans l'holographique. Je t'emmerde et je te répondrai que je fais ce que je veux. Je veux jouer un ACOG avec H. Si je voulais un holographique, je prendrais un holographique. c'est mathématique. Enfin non, pas du tout, mais c'est comme ça. Si nos jeux de fruits sont si bons, c'est pas seulement grâce au soleil. À la fabrique, c'est Yvon qui se charge de la sélection des meilleurs fruits. Puis Christophe et compagnie s'occupent de contrôler chaque jour la qualité du jus que vous avez certainement le bonheur de boire. Eh ben, je pense que Yvon, Christophe et compagnie mettent du shit dans mon jus d'orange. Car il y a un truc vraiment chelou qui se passe. Non mais la G36, les mecs, c'est comme l'avenir du futur, quoi. Ouais. Ok, c'est parti. On fait un entraînement du futur. Un entraînement trop dingue. Un entraînement qui vous rendra meilleur. Un entraînement pour les gens qui veulent être diamants. Un entraînement qui est pas pour les argents. Un entraînement qui est vraiment tryhardant. Ça se dit ça? Non, je suis pas sûr. Ouais, Minou, attends, je vais t'ouvrir. T'inquiète. Je lui ai mis trop dans la tête là. Qu'est-ce que ce personnage de philanthropique Attention, on est reparti. Il y a certainement un adversaire dans le coin. Mais où peut-il bien être? Oh! Oh! Oh, regardez-moi ce travers que je lui ai mis. C'est... Oh, il y a un C4, j'ai failli exploser. Attention, il y a un gros boum-boum. Il est mort. Le vilain boum-boum. On est reparti. En détruisant les barbelés, en faisant une décale, en prenant le contrôle du couloir, on rentre dans une pièce, en regardant à droite et à gauche, mais c'est une pièce qu'on a déjà faite. Donc, sans plus attendre, nous allons aller au top. Je suis désolé, je perds le contrôle de mes moyens mentaux. Je ne comprends pas, du tout le phénomène de la principe, du principe physique de la chose, quoi. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire à constater. D'autant plus que, franchement, voilà, quoi. Je veux dire, l'argument tient la route. Attention. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouh, il y a un adversaire. Je l'entends l'adversaire. Tu l'entends? On l'entend. Il y a un adversaire. Oh là, oh là. Oh, l'adversaire, il est vilain. Je le sens qu'il est vilain. C'est un... Ouh, le coquinou. Oh là. Attention, allez, on va être intransigeant. One tap dans tous les coins, hop, même le C4, il en prend pour son grade. Ensuite, on va se diriger vers ce magnifique barbelé, mais qu'on doit détruire car sinon ça blesse les pieds.
Oh les galopins, oh les galopins, ils étaient dans le mamam. Ah bah je me suis trompé en plus. C'est ça que je voulais lancer. Voilà, 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 voilà. Elle a full travers. Ouais, voilà. Alors si vous voulez voir l'autre qui tryhard hein, et qui est pas vraiment drôle, c'est point d'exclamation 6-4. Hein. Là il doit être... En ce moment, je vous le fais un peu le topo, hein, je connais la bête. C'est... Il doit être en train de faire des trucs comme ça. Il doit être comme ça. Oh putain, j'ai pas joué depuis 2 semaines, non, j'ai même pas... Il est où ? Oh, mais je suis... Oh, mais n'est pas... Comment je vais... Ah, je me chauffe avec quoi là ? J'ai mal à l'épaule. Alors, ça n'ouvre pas les murs, ce truc. J'étais persuadé de lancer une impact. Mais en fait, pas du tout. Hein. Pas du tout. Ça ne pète aucun mur. Voilà, comme ça, vous avez la réponse. Si vous vous posez des questions sur le comment du pourquoi, ben, ça ne casse pas de mur. Il peut casser des vitres. Voilà, tu casses des vitres. Mais c'est tout. Je suis conquis par ta féminité. Merci. J'adore les femmes. J'adore toutes les femmes. Moi, j'aime juste ta mère. Je pense que les femmes sont vraiment très importantes dans la société. Au sein d'un foyer également. Dans une cuisine particulièrement. Ça aide énormément le mâle. Je sais qu'il y a une petite partie de toi-même qui le pense quand même un petit peu, vu que t'as un gros pas niance. Pas du tout, parce que j'adore faire la cuisine. Et c'est moi qui cuisine. Voilà. Donc, les clichés, quoi, stop it. Quoi. Je veux dire, stop it. Les hommes aussi ont le droit de faire la cuisine, laver leur linge. Et sucer des bites, ok. On aime jouer les misogynes ou les mecs odieux, mais nous ne sommes pas pour autant. Y'a pas de Clara ou de Carla Vitality sur Twitter, désolé. Ouais, mais si, franchement, si la meuf elle est fraîche, c'est un fake. C'est vrai qu'on peut pas être joli et jouer à des jeux vidéo. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi je suis pas d'accord, je ne partage pas les propos de mon collègue. Je pense vraiment qu'il y a même des meufs mobs qui savent jouer aux jeux vidéo. Franchement, hey, on va pas se mentir, si demain t'allais dans une prison un peu tendancieuse 90 États-Unis, franchement ouais. Tu dures 24 heures toi. Moi ? Ah ouais, je pense que au bout de 24 heures tu suces toutes les bites qui passent mon gars. 20 minutes, oh, 20 minutes. Je commence avec le gardien mec. Il est homo. Et alors, t'es homophobe mec ? Non, le chat on me dit il est homo, genre 3 points, genre choqué quoi. Qu'est-ce que t'en sais ? Je suis peut-être homosexuel. Qu'est-ce que vous en savez ? Vous en savez rien. Vous m'avez déjà vu avec une fille ? Non, jamais. Peut-être que j'aime les mecs. J'aime les lèvres pulpeuses de garçons. J'aime bien les tétons de garçons, peut-être aussi. Peut-être, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Le fessier d'un beau mec, un fessier bien musclé, c'est très prenant. Non. Je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'il serait en train de faire son coming out ? Vous ne savez pas. Une paire de testicules chaudes dans la bouche. Ça fait des ravages. Ouais, on va avoir des problèmes avec toutes les... Ouais, ce soir, LGBT... Ah putain, on a tout le monde au cul, sérieux. Bah vaut mieux avoir les... vaut mieux avoir les femmes que les LGBT au cul, n'empêche. Allez. Allez, les bonnes blagues de beauf. Qu'est-ce qu'on aime ça, dis donc. Alors, c'est l'histoire d'une pute noire congolaise. Non, stop. Oh putain, le mec unstoppable. Mais t'imagines, toi au cast. Oh là là, du 16 Invitational. Alors, c'est une grosse pute qui rentre dans un bar. Oh, pardon, je voulais dire, désolé, Pengu qui pousse Chicha. Non, je voulais pas dire Pengu en fait. Ça va à quoi? Oh putain, on est borderline.